Les gens en résidence, ils ont besoin de bouger. Ils sont comme isolés la plupart. Plus tu vieillis, plus tu es isolé, moins de ça. Il faut les faire sortir. Il faut communiquer, il faut socialiser. On a fait des bacs surélevés à la résidence pour les gens qui habitent, où la moyenne d'âge est de 70 ans et plus. Pour l'été en cours, il y a 130 bacs qui ont été distribués dans une quinzaine de résidences. 130 bacs qui ont été évidemment produits par les élèves de l'École des studios. C'est une clientèle en difficulté à Saint-Jérôme. C'est des doubleurs de secondaire 3, secondaire 4. On fait l'exploration des métiers manuels avec eux. Puis M. Trelfort nous a approchés pour le projet Bac à jardin. Et M. Leduc a fait le pont pour le financement. Donc, on a, pour financer cette partie-là, adressé une demande de financement auprès de la Fondation Rayonne Don pour obtenir un financement de 25 000 $ qui nous a permis d'engager une horticultrice et d'acheter un certain nombre de bacs qui sont installés à travers la région des Laurentides chez les HLM et les OBNL d'habitation. Donc, un beau projet qui met en valeur un travail intergénérationnel où nos jeunes ont construit et nos aînés en bénéficient pour faire des belles récoltes cet été. Les gens sont très émus de pouvoir mettre leurs mains dans la terre, penser à un projet positif pour eux, de voir des plantes pousser. Ils ont beaucoup travaillé à préparer ce qu'ils allaient planter et tout ça. Donc, c'est très stimulant pour les gens. Puis, ça dépasse les gens qui ont des bacs, mais tous les gens de la résidence surveillent les bacs, viennent voir exactement comme on avait pensé que ça ferait comme effet. C'est très positif. Ça fait une occasion de se rassembler. Ça nous permet de se rencontrer et de faire sortir le monde de leur logis. On s'amuse. Bien, j'ai bien aimé ça, le projet. C'est un projet très intéressant. Et puis, je pense que tout le monde sont satisfaits de ce qu'ils ont eu comme projet. J'aime beaucoup les légumes, surtout l'été. C'est très bon manger des légumes frais, au moins qu'on cueille, là. Mais c'est très enrichissant.